Mesdames et messieurs, bonjour. Je vais donc m'entretenir avec vous sur les Juifs et la Grande Guerre. Un sujet connu au sein de la nation, mais de façon superficielle, et quasiment méconnu pour la majorité des Juifs, notamment des Juifs d'une nouvelle génération. Cela s'explique aisément, dans la mesure où la Seconde Guerre mondiale est passée par là, et où bien sûr le génocide, la Shoah, a aussi effacé, ou du moins troublé, une partie de la mémoire juive en France et ailleurs, notamment. Car en effet, la Grande Guerre que nous évoquons, et qui a un certain impact aujourd'hui sur la société française, au niveau mémoriel en tout cas, a pendant très longtemps marqué la communauté juive comme l'ensemble des autres communautés et l'ensemble des autres nations d'Europe, dans la mesure où l'Europe moderne, je dirais, et le XXe siècle commencent avec 1914 et non pas avec 1901. Il commence en 1914, et j'expliquerai cela tout à l'heure, mais en tout cas, pour l'instant, essayons de voir quelle est la situation des Juifs en France, ou du moins des Juifs de France, puisqu'il y a différentes catégories. Tout d'abord, il s'agit d'une petite communauté qui est composée d'environ 160 000 âmes, qui comprend l'Algérie d'ailleurs en son sein. Il y a environ 55 000 Juifs d'Algérie avant 1914, environ 100 000 Juifs métropolitains, et parmi ces 100 000 Juifs métropolitains, environ 20 000, 18 000 Juifs immigrés, dont peut-être 3500 Juifs ottomans, et le reste provenant de Roumanie et de l'Empire russe, ou du moins de l'Europe centrale. Donc voilà un peu le tableau, en sachant donc, comme je le précisais, que c'est une petite communauté européenne de l'Europe, dans la mesure où en Angleterre il y a déjà plus de 360 000 Juifs, et en Allemagne il y en a déjà près de 460 000 à 470 000. Finalement, c'est une communauté moyenne, je dirais, qui est comprise entre l'Italie et le Royaume-Uni. C'est aussi une communauté hétérogène, car même si nous verrons qu'il y a un point commun, en tout cas en métropole, ils viennent de partout. Il y a bien sûr des Juifs maghrébins qui commencent à s'installer, notamment à Marseille, et cela bien avant l'année 1962, puisque dès les années 1904-1906, il y a déjà plusieurs Juifs marseillais qui sont présents, Juifs d'Algérie, qui sont présents ici. Il y a bien sûr des Ottomans qui ont vécu une culture française assez importante au sein de la Turquie, notamment par le biais des écoles de l'Alliance israélite. Il y a des Juifs roumains qui sont ashkénazes, comme on dirait, mais qui dominent parfaitement la culture française et qui ont été obligés de quitter la Roumanie par rapport aux discriminations et aux quotas dans les universités. Et puis il y a le monde russo-polonais qui lui est à la fois plus politisé, c'est-à-dire qui va de la tendance sioniste extrémiste à la tendance socialiste révolutionnaire, tout en passant par la gamme des religieux orthodoxes ou pas. Et puis il y a enfin les Juifs d'Algérie ou du Maghreb, plus ou moins, je dirais, puisqu'on pourrait mêler aussi quelques éléments tunisiens qui participeront à la Grande Guerre, et environ une soixantaine de Juifs marocains. Eh bien, on a ces éléments, un judaïsme, je dirais ici, plutôt encore familial, traditionnaliste, respectant encore toutes les règles de la cacheroute en tout cas, et peut-être même du Shabbat, en tout cas dans de nombreux milieux. Et enfin, nous avons les Juifs de métropole. Alors là,
c'est ce que j'avais appelé et qui se vérifie finalement de plus en plus, ce sont ce que l'on pourrait nommer les Israélites. Les Israélites, dans la mesure où ils ont conscience d'être juifs, mais refusent le terme de juif, puisque estimé comme étant péjoratif. Et j'ai eu l'occasion de lire dernièrement une lettre de Charles Péguy adressée au grand rabbin de Paris. Et Péguy disait la chose suivante: je refuse d'écrire le mot juif, et quand je l'écris, c'est pour désigner que ce sont les antisémites qui agissent. Et le grand rabbin de Paris répondait: en effet, depuis un siècle, nous sommes des citoyens. Donc c'était une lettre qui était datée de 1911, si mes souvenirs sont bons, et il précisait donc: depuis un siècle, nous sommes en effet citoyens, nous ne sommes plus que des Israélites français. Et en effet, cette notion d'Israélite chez les Juifs de France est essentielle, est importante, dans la mesure où pour eux, ils ont une citoyenneté, une nationalité qui est celle d'être français, avec une religion qui se distingue bien sûr de la religion dominante, et qui est celle de la pratique du mosaïsme ou de l'israélitisme, et donc, à partir de ce moment-là, ils deviennent des Français israélites. Et cela est parfaitement bien combiné chez eux. C'est-à-dire qu'il y a une parfaite symbiose entre les valeurs du judaïsme. Alors attention, on sera obligé quand même d'expliquer comment est vécu le judaïsme en France en 1912-1913, et les valeurs de la République. Le judaïsme, aujourd'hui, nous paraîtrait, vivre le judaïsme en 1912-1913, nous paraîtrait véritablement très libéral. C'est-à-dire que l'on s'estimait très juif à l'époque quand on respectait la cache-route. C'est-à-dire ne pas manger du lait et de la viande. L'on pouvait très bien aller acheter du bœuf chez le boucher du coin, sans se poser la question. De même, on pouvait se considérer comme étant pratiquant en allant une fois par mois en voiture ou en calèche, faire le Shabbat matin, faire un kaddish et puis repartir ouvrir sa boutique. Donc vous voyez, les notions sont très, n'ont plus rien à voir avec notre époque. Mais néanmoins, il y avait une conscience identitaire. Et cette conscience identitaire était si vive qu'à un moment donné, le grand rabbinat, notamment par le biais de Maurice Libert, qui va être, à partir des années 1920, le directeur du séminaire israélite de France, eh bien, il dit qu'il ne faut pas considérer les Juifs comme étant un groupe religieux véritable, mais plutôt comme une race. Alors j'explique qu'à l'époque, on conçoit comme race tout ce qui peut être groupe socio-religieux. Donc ce n'est pas du tout négatif. Et puis on reprend aussi la terminologie du 19e siècle, où parmi les sémites, on va classer d'autres races et des sous-races, etc. Donc c'était dans le langage de l'époque, je dirais, les juifs se considéraient volontiers comme une race. Et en même temps, Maurice Libert précise le fait que c'est un groupe d'appartenance. Qu'est-ce que ça signifie pour lui qu'un groupe d'appartenance, c'est ni plus ni moins se reconnaître au sein d'une communauté. Et donc, voilà comment se situe, se présente le judaïsme de France à cette époque très divers, qui est présent d'ailleurs dans tous les milieux sociaux professionnels et qui semble plus ou moins intégré. On en est quand même à la concernant les Juifs de souche, c'est-à-dire Alsaciens, Lorrains, Contadins et Bordelais, on en est quand même déjà à la 4e génération, voire 5e génération, des décrets émancipateurs de 1789 et 91. Et puis, pour les Juifs d'Algérie, là on arrive véritablement à la période très intéressante, puisqu'on va être dans une période de mutation, et la mutation est en voie d'achèvement. C'est-à-dire que pour les Juifs d'Algérie, le grand-père qui avait vécu le décret Grémieux de 1870, eh bien, il était encore dans une mentalité
non pas de citoyen de seconde zone, mais en tout cas, il avait encore cette mentalité de juif soumis à un état d'inspiration musulmane. Le fils, quant à lui, avait petit à petit évolué. Donc, dans les années 1890-1895, il avait eu l'occasion, notamment en tant que citoyen, de faire déjà le service militaire, et service militaire de 2 ans au départ, qui lui permettait d'accéder à la métropole. Puisque, comme vous le savez, très souvent, on allait faire ses classes ou à Aix ou à Montpellier, généralement quand on était originaire d'Algérie. Ce qui fait que c'était déjà sortir de son milieu, sortir de la famille, etc., etc., et d'être confronté véritablement au monde non-juif. Parce que les juifs d'Algérie vivaient quand même aussi, dans certains quartiers, en tout cas avant 1914, se connaissaient tous, en tout cas quand il s'agissait des petites villes, ou même des villages, etc., etc. Là, il était expulsé en dehors de sa mère d'origine, je dirais. Et donc, 1914 va être ce tournant, et on comprendra pourquoi, où le judaïsme algérien va accélérer, je dirais, et je le pense fondamentalement, la guerre de 14-18 est une accélération de l'émancipation pour les Juifs d'Algérie, et est peut-être un nouveau type d'accélération de l'assimilation chez les Juifs de métropole. Parce que justement, il va y avoir cette grande épreuve que n'avait jamais connue jusqu'à présent le judaïsme de France, ni même le judaïsme européen, dans sa globalité en tout cas, qui s'appelle la guerre, la dévastation, une guerre de violence. Alors vous me direz, toutes les guerres sont de violence, mais je vous expliquerai pourquoi celle-ci est de violence et non pas violente. Et enfin, une guerre de masse. Alors, pendant les guerres napoléoniennes, il est vrai, les judaïsmes avaient été plus ou moins secoués au cours de ces guerres qui vont de 1807 à 1815, parce qu'il avait été compté dans le judaïsme polonais, judaïsme russe, hongrois, allemand, français, très peu anglais. Mais disons qu'à l'époque, les juifs étaient, en tout cas pour la France, des conscrits, donc tirés au sort, ils partaient dans les régiments. En Allemagne, il n'y avait que des volontaires. En Russie, à l'époque, il n'y avait encore que des volontaires. Ce qui fait que le judaïsme n'avait été qu'effleuré par les guerres napoléoniennes. Or là, le judaïsme, comme toutes les communautés religieuses ou ethniques ou ce que vous voulez, vont être véritablement concernés. Donc nous avons environ 160 000 juifs de France, de l'Empire colonial, etc., et sur ces 130 000 et 152 000 juifs environ, 30 000 vont être donc mobilisés. 30 000 mobilisés, et là c'est intéressant. Où vont-ils être mobilisés? Eh bien, indéniablement, ça va être assez simple. On peut estimer qu'environ 4 000 à 6 000 juifs étrangers, russos, polonais, roumains, ottomans, vont s'engager, et là, très souvent, ils sont envoyés soit dans les régiments de marche des régiments étrangers, autrement dit, c'est une sous-légion, ou alors dans la légion étrangère. En ce qui concerne les Juifs d'Algérie, là c'est tout si facile, ils sont majoritairement envoyés dans les régiments de Zouave, ainsi que dans les régiments de marche d'Afrique, le plus souvent possible. Et puis enfin, les juifs de métropole, les juifs naturalisés, quant à eux, eh bien, seront envoyés dans les différents régiments selon leurs compétences, leur département d'origine, etc., etc. Donc, une fois de plus, ce sera comme pour l'ensemble des Français, ce seront les régiments d'infanterie où ils seront le plus nombreux, puisque après avoir fait quelques recherches, je me suis aperçu qu'il n'y a seulement qu'une trentaine de juifs dans la marine,
ce qui est très peu, en sachant qu'il y a quand même 30 000 mobilisés. Dans l'aviation, proportionnellement, ils seront nombreux, c'est-à-dire il y en a environ 120-140 à tous les niveaux, bien sûr, du technicien à l'observateur jusqu'à l'aviateur. Mais c'est une proportion importante en sachant qu'il y avait environ 6 000 hommes dans l'aviation en 1916 et environ 12 000 en 1918. Donc il y a une proportion énorme, intéressante, mais on pourra l'expliquer assez aisément une fois de plus. Et puis dans les autres régiments, la cavalerie, ils sont quasiment absents aussi, moins d'une centaine, etc., etc. Donc c'est l'infanterie. Ce sera donc la piétaille, ce sera donc, comme vous l'avez bien deviné, les grandes offensives de l'Artois, de la Belgique, de Champagne et de la Meuse. Et aussi, puisque nous sommes le long du pourtour méditerranéen, le long des Dardanelles, près de la Turquie, Gallipoli, où de nombreux juifs d'Algérie notamment vont tomber pendant l'été 1915. Donc les voilà partis, en tout cas mobilisés. Ils sont mobilisés, et là, comme n'importe qui, comme dans n'importe quelle famille, il y a ce que l'on appelle la résignation pour certains. Partir, ce n'est pas marrant. On risque de mourir, bien évidemment. Et puis pour d'autres, c'est peut-être un moyen d'apporter ou d'honorer une dette de reconnaissance que l'on aurait par rapport à la France. Et là, en effet, la résignation, on va dire comme ça, elle se voit davantage dans les milieux populaires assez pauvres. Parce que partir, quand on a une charge de famille, c'est laisser une femme avec des enfants sans moyens. Partir aussi, et là, il y a quelques lettres de Jules d'Algérie où c'est intéressant, ça peut être dangereux parce que on peut très bien perdre sa judéité en étant dans l'armée avec toutes sortes d'individus. Donc voilà les craintes qui expliquent une certaine résignation pour pas mal de personnes, notamment d'Algérie, mais ils vont être très vite réconfortés parce qu'on va s'apercevoir que dans les régiments de zouaves, là où sont intégrés les juifs d'Algérie, généralement on peut estimer qu'il y a une proportion de 8 à 16% de juifs. Ce qui fait qu'obligatoirement, il y aura toujours un copain, ou un co-religionnaire en tout cas, ou du moins à un moment donné, même si on ne le connaît pas, on se fera un ami de lui. D'autant plus que les intérêts sont souvent assez communs et courants à l'époque. Et puis il y a l'autre partie. Partir, ça c'est prometteur d'espoir. Et c'est en même temps honorer une dette. Alors là, vous l'avez compris, il y a déjà pas mal d'Alsaciens lorrains, de Juifs d'Alsace et de Lorraine, qui ont été nourris dans l'espoir un jour de recouvrer la terre des aïeux. C'est le cas, par exemple, du pédiatre, enfin de celui qui va devenir le futur pédiatre, Robert Debré, dont le père est rabbin de Neuilly sur Seine, et qui est originaire de Cherviller dans le Bas-Rhin, et qui exprime bien que tous les Shabbatot, enfin tous les Shabbatata, eh bien, on avait toujours une pensée émue pour le petit cimetière local de Cherviller, et là où la famille Debré avait toutes ses origines. Donc, on est nourri avec cela. De même, même si l'on a quelques inquiétudes, comme l'exprime l'historien Jules Isaac, où il se pose la question « qu'est-ce qui va se passer après cet orage ?» puisque là, il parlait de Sarajevo, de l'attentat de Sarajevo le 28 juin 1914, qui va lancer la guerre plus tard. Il exprime, deux mois plus tard, cette notion-là, de dire « la Lorraine, puisqu'il se trouve en stationnement à Lorraine, voici enfin la Lorraine, je peux regarder la terre de mes pères. » Donc on voit bien cette notion qui préexiste en tout cas dans beaucoup d'inconscience ou conscience des juifs alsaciens et lorrains. Il y a aussi chez les juifs d'Algérie
cette notion de reconnaissance à la France, notamment dans les milieux bourgeois ou petits bourgeois d'Alger. Cela est flagrant dans une lettre de la famille de Moïse Aboulker ou de Stora, je crois que c'est Moïse Stora aussi, qui, écrivant à l'un de ses fils, lui précise bien qu'il doit être digne de la France, car elle lui a donné la liberté. Donc, ce sont des lettres fortes. On sait pourquoi on va se battre. Et il en est de même, bien sûr, je dirais, pour beaucoup de Juifs immigrés, qui, eux, ont échappé ou ont voulu échapper au tsarisme, aux mesures discriminatoires en Roumanie, et qui, cette fois-ci, espèrent défendre une démocratie, abattre tous les empires pour qu'un monde meilleur s'ouvre à l'ensemble des populations, mais aussi du peuple juif. Donc ils partent ainsi, la plupart, résignés d'un côté, mais c'est une guerre prometteuse. D'autant plus qu'on l'a toujours dit, pour beaucoup ça va être une guerre courte. Donc c'est l'histoire d'août, septembre. Et puis après, on rentrera dans nos foyers pour les moissons, ce qui veut dire que tout sera rentré dans l'ordre et puis la France, comme d'habitude, sera victorieuse. Mais ce que l'on oublie, et nous le savons, nous, à contre-coup, c'est que bien sûr, cette guerre qui a très vite commencé en août, est stoppée à partir de novembre 1914, lorsque les Allemands, qui ont quand même conquis tout le nord et une bonne partie de la Lorraine française tout en gardant l'Alsace, eh bien, lorsque les Allemands décident de bloquer le front et le bloc du Minn qui va de Dieppe, donc du nord, jusqu'à la frontière suisse. C'est-à-dire que voici la France qui est quand même privée de 8 départements en plus et qui est bloquée, qui ne peut plus avancer. Et là, en effet, la guerre va être meurtrière. Elle va être meurtrière parce que si nous n'avons pas véritablement de bel échantillon concernant les soldats juifs dans les régiments d'infanterie, nous en avons au moins dans les Zouaves. Puisque les Zouaves vont avoir cette particularité d'aller jusqu'en Belgique, donc jusqu'à Charleroi, puis de redescendre en Artois et en Champagne, puis ensuite, quand ce sera en 1900, dès la fin 1915-1916, je parle notamment du 2e, 3e et 9e régiment Zouave, eh bien, ils auront cette particularité ensuite d'aller à Verdun et d'y rester jusqu'en 1917 avant de repartir pour la grande offensive de 1918 en Artois et en Champagne. Donc, on voit véritablement qu'il y a des régiments phares. Et si nous prenons le cas des régiments Zouaves, où il y a une forte concentration juive, qui, je l'ai dit tout à l'heure, entre 8 et 16%, et finalement on arrive à 12% de juifs parmi les Européens, puisque, comme vous le savez, étant citoyens français, ils ne sont pas dans les troupes musulmanes, puisque c'était nettement distingué les régiments des tirailleurs sénégalais ou les régiments de marche de tirailleurs qui étaient composés de musulmans à 99 ou 98%. Et donc, ils vont déjà aller jusqu'à Charleroi, ces régiments de Zouaves, et là, la bataille fait rage, à tel point d'ailleurs qu'ils font énormément preuve de courage. Et là, c'est intéressant parce qu'on a deux regards sur les Juifs d'Algérie en 1915. Premier regard, ça va être celui du consistoire et des chroniqueurs israéliques qui sont originaires d'Alsace et de Lorraine pour la plupart, qui vont se poser la question, je résume, c'est incroyable, dit l'un des chroniqueurs des archives israéliques, qui est une des revues juives, enfin l'un des hebdomadaires juifs les plus anciens puisqu'il date de 1840, et qui va dire, c'est incroyable, ces juifs, en parlant des juifs d'Algérie, se battent comme des lions. On est étonné. Est-ce qu'on y croyait plus? Je ne sais pas. Il y a une autre remarque que va faire cette fois-ci un écrivain, Pierre Drieu-La Rochelle,
qui lui est habitué aux Israélites, on va dire, puisqu'il se mariera 3 ans plus tard avec une femme juive dont il divorcera aussitôt, mais qui a cette particularité d'être antisémite. Et donc il met en scène dans l'une de ses nouvelles, la comédie de Charleroi, puisque lui il était dans l'infanterie, il a été à Charleroi avec des régiments de zouaves, et donc il exprime le cas d'un soldat Ben Simon qui se bat comme un lion, lui aussi, et qui est blessé. Et cet homme blessé veut continuer le combat. Drieux est quant à lui aussi blessé. Et là, Drieux ne rêve que d'une seule chose, c'est d'aller vite au poste de secours pour ne plus continuer l'offensive. Et il y a Ben Simon qui l'encourage en lui disant « Non, 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 il faut y aller pour la France, etc. etc. » Et là, Drieux lance cette phrase qui, à mon avis, est essentielle et dans sa pensée et dans l'histoire, dans l'histoire que nous traitons ici, c'est fou ce que les Juifs ont voulu se faire tuer pour la patrie. Donc il lance cette phrase, et venant d'un Drieux La Rochelle, c'est quand même assez symptomatique, une, plus ou moins une telle pensée aussi sera permise chez Henri de Monterland, qui lui aussi nourrissait des sentiments antisémites, et dans l'une de ses nouvelles qu'il a pu écrire en 1932, qui est dans Morcevita, eh bien il décrit la famille de deux frères, enfin la famille, une famille où il y a deux frères qui vont se faire tuer, et donc il apporte lui-même le faire-part de deuil avec la médaille militaire, etc., à la mère. Et il en conclut finalement que Breyer, puisque c'était le nom du gars, à vrai dire c'est Danziger, son véritable nom, Breyer ne voulait qu'une seule chose, être digne d'être français. Et donc voilà un peu comment on voit le juif français, en tout cas dans la littérature. Or ce sont quand même deux écrivains, notamment et notoires des années 20 et 30 en France, qui expriment leurs sentiments. Et en effet, si l'on peut dire quelque chose sur ces combattants juifs, c'est que beaucoup ont été valeureux. Avant de vous délivrer le nombre de combattants morts à la guerre, je peux déjà vous dire qu'il y a eu environ 13% de cités, d'après les morts que j'ai pu recenser, 13% de cités à l'ordre de la brigade, à l'ordre de l'armée ou à l'ordre du régiment, ce qui est quand même beaucoup, puisque il y a environ 90% de sans grade dans cette armée. Les Juifs, en effet, et là c'est intéressant aussi de voir qu'on était peut-être plus gradés dans une armée allemande qui était réputée antisémite, plutôt que dans une armée républicaine qui était prétendue laïque. Cela est très intéressant et un jour il faudra vraisemblablement s'y pencher. Il y a plus de lieutenants, même si proportionnellement les juifs allemands sont plus nombreux, il y a plus de lieutenants et plus de sous-lieutenants dans l'armée allemande, voire de capitaines, que dans l'armée française. Or les juifs allemands ne sont admis dans l'armée allemande que depuis 1870, et ne peuvent devenir sous-officiers que depuis 1895. Donc, cela pose quand même problème à un moment donné, mais c'est un autre sujet. En effet, les Juifs vont donc être valeureux tout en étant sur tous les fronts. Et là, on pourrait citer plusieurs exemples. Plusieurs exemples où des jeunes qui auraient pu avoir un avenir prometteur. Je pense à ce jeune Georges Lange, qui est normalien, et qui écrit à sa mère, en tout cas on avait toujours, ça c'était classique de 14-18, mais peut-être même de 39-40, je ne sais pas, on avait ce que l'on appelait toujours sur soi la dernière lettre, c'est-à-dire la lettre que l'on destinait à ses parents au cas où il nous arriverait malheur, et qui devrait plus qu'une fois que le malheur était arrivé.
Et donc, en effet, ce Georges Lange, normannien, neveu d'ailleurs du philosophe Henri Bergson, se voit réformé à l'âge de 18 ans parce que trop malade, on va dire. Donc, 2 ans après, en 1916, il revient à la charge et il écrit carrément à 2 généraux. Et à l'un, il explique les motifs, les raisons de sa volonté de s'engager. Il dit, voilà, je vous écris parce que je suis français et que je suis israélite. Et donc, en tant que français et en tant qu'israélite, j'ai une double dette par rapport à ma patrie. Et lorsque... Donc ça, c'est ce qu'il écrit en général. Et lorsque il vient à décéder, sa mère reçoit la fameuse lettre. Et là, en effet, il écrit à sa mère, « Si cette lettre te parvient, c'est que je serai mort aujourd'hui. » Enfin, c'est du classique, tout ça. Et à un moment donné, il écrit, « J'estime que j'aurai fait mon devoir en tant que Français et Israélite. » Et c'est 2 fois plus beau. Donc, des tas de générations sont motivées par cette notion, et du coup, il y a une raison de se battre, véritablement. Il y a aussi une raison de se battre parce que, malgré la violence de guerre, ou la guerre de violence, et là je m'exprime, cette guerre de violence, c'est que tous les moyens sont utilisés pour détruire. Jusqu'à présent, on en était encore dans une arme, dans des combats réguliers, fusil contre fusil, épée contre épée, artillerie contre artillerie. Tandis que là, tout est faussé. Tout est faussé, c'est-à-dire, jusqu'en octobre 1914, nous avons encore des belles guerres comme au XIXe siècle, et à partir d'octobre-novembre 1914, nous entrons dans le XXe siècle, c'est-à-dire où le front est composé de tranchées, et où ces tranchées, et où dans les tranchées, il faut donc tenir, mais le but de l'artillerie, c'est de démonter, bien sûr, toutes les tranchées. Et donc là, on est dans un autre type de combat. Autre type de combat, d'autant plus qu'à partir de janvier 1915, eh bien là, l'horreur intervient, et justement, les régiments de Zouaves vont en faire les frais, notamment à Ypres, en Belgique, on commence à tester les gaz. Donc, véritablement, on est entré dans la guerre chimique. C'est l'une des nouveautés de la guerre 14-18 aussi. Sans compter, d'ailleurs, à titre ironique de l'histoire, ce sont les Allemands qui ont inventé les gaz, bien sûr. Mais l'ironie de l'histoire, c'est qu'elle a été inventée par un juif, en effet, qui s'appelait le nom Méchat, qui était d'ailleurs le grand ami de Chaim Weizmann, qui sera le premier président de l'État d'Israël. Donc vous voyez, le monde est très petit et l'histoire est souvent ironique. En tout cas, une chose est sûre, c'est que c'est testé. Voilà, Fritz Haber. Donc, c'est un drôle de personnage, en effet, ce bonhomme. Incroyable. Donc, voilà, on commence à les tester, on est dans cette guerre de violence qui le deviendra de plus en plus, puisqu'après, avec l'aviation, quand il y aura, qui apparaît, qui naît véritablement en 1916, on mettra au point les bombardiers. Donc là, ce sera encore plus facile pour tuer. Et puis, on oublie aussi la guerre sous-marine. Cette guerre sous-marine qui va quand même amener au fond plus de 260 pièces de navires, etc., etc. Et on estime quand même que près de 16 000 hommes sur l'ensemble du continent européen ont disparu en mer, ce qui n'est pas rien non plus. Donc, c'est une guerre ici de violence qui va toucher l'ensemble des combattants. Et au fur et à mesure que cette guerre s'éternise, eh bien les hommes s'habituent à cette guerre de violence. C'est-à-dire que la mort est devenue
quotidienne, l'horreur est habituelle, et voilà pourquoi certains historiens désormais ont parlé ensuite d'une guerre de brutalisation. C'est-à-dire que, de même qu'on s'habitue au bonheur, ou du moins qu'on ne voit jamais le bonheur, eh bien on s'habitue toujours à l'horreur, à un moment donné. Et c'est ce qui s'est passé chez ces combattants. Et on est obligé de comprendre ensuite le XXe siècle, avec toutes les horreurs que nous voyons encore, c'est-à-dire où on banalise l'horreur, qu'à travers cette guerre de 14-18, qui a été la première à banaliser la mort de masse, puisque c'est une mort de masse, et puisque c'est une mort où rien n'est respecté, après tout, la vie humaine n'est plus du tout respectée. Les individus, donc, vont suivre ce parcours pendant très longtemps, c'est-à-dire jusqu'en 1918. En même temps, puisque j'ai parlé des régiments de Zouaves qui étaient le plus frappés par la guerre, globalement, je peux vous dire les données maintenant, il y a eu environ 5000 morts juifs 14-18. Sur ces 5000 morts 14-18, il y en a eu environ 2300 d'Algérie, ce qui est énorme. C'est une proportion incroyable. Cela s'explique pour plusieurs raisons. Un, les Juifs d'Algérie étaient quand même une population jeune. Donc il y a eu plus de mobilisables et de mobilisés que chez les Juifs de France, Alsaciens, Lorrains, etc., qui étaient vieillissants et qui avaient moins d'enfants. Environ 2 enfants par couple pour une famille juive alsacienne déjà au début du siècle, et environ 5 enfants par couple dans une famille juive d'Algérie. Donc, naturellement, la proportion est inégale. Mais il est vrai que ces régiments de Zouaves ont énormément souffert et peiné, puisque vous voyez la proportion, en sachant que dans cette proportion, il y a quand même plus de 300 disparus au combat, donc volatilisés, qui n'auront jamais de compte. Mais il y a d'autres régiments dont je voudrais parler, qui est bien sûr la Légion étrangère et les régiments de marche. Les Zouaves, si vous voulez, ont connu leur grand nombre de morts à deux endroits, enfin à trois endroits, Arras, la bataille de l'Oise, puis ensuite la bataille de la Somme, donc ça c'est début 14. Ensuite, il y a eu la bataille de Belgique, Ypres, Charleroi, donc ils sont un peu plus dans le nord, et ça s'éternise jusqu'en mars 1915 environ, et puis ensuite il y a eu Verdun, 1916, où les régiments de Zouaves ont été aussi très sollicités. Parallèlement, on ne devrait pas quand même oublier les régiments de marche d'Afrique et les régiments de Zouaves aussi, notamment le 7e et le 8e régiment, si mes souvenirs sont bons, qui ont été envoyés en Turquie. Et on l'oublie, mais le front des Dardanelles, comme on l'appelait, fait quand même, côté britannique et français, 400 000 morts. Et si, même si c'est difficile parfois de les atteindre, quand on se promène du côté de la Serbie, en pleine campagne dans les cimetières militaires, ou de l'Albanie, ou de la Macédoine, il n'est pas rare de voir des tas de tombes de juifs de Zouaves, finalement, qui reposent dans les cimetières militaires. Donc on a ici, voilà, pour localiser ces combattants-là. En ce qui concerne la Légion étrangère, c'est à peu près pareil. Donc il y avait la Légion étrangère, et puis, comme la Légion étrangère, c'était, on va dire, des militaires de carrière. Ils s'étaient déjà engagés pour un minimum de 5 ans, et ils avaient été surtout formés en Algérie. C'est pas Sidi Bel Abbès. C'était Sidi Bel Abbès, voilà, vous trouvez la Légion. Donc, ils étaient formés là-bas et ensuite, ils allaient faire des stages au Maroc. Quand je dis des stages, c'est-à-dire qu'il s'agissait déjà de pacifier le Maroc
bien avant que l'IoT réussisse la guerre du Rif en 1920-1927. Donc la Légion étrangère, il y aura quelques juifs, mais très peu. Mais par contre, ce qu'il va y avoir, c'est énormément de juifs roumains et russo-polonais. Alors, ils ont été bien naïfs, je dirais, parce que les juifs russo-polonais pensaient qu'ils allaient être intégrés directement dans les régiments d'infanterie réguliers avec les Français. Pourquoi donc? Cela est intéressant parce que on s'aperçoit que les vagues d'immigration sont très souvent différentes. Je m'explique. En 1890-1913, nous avons ce que l'on appellerait des immigrés intellectuels. Ce qui ne sera pas le cas dans les années, ou moins le cas dans les années 20 et 30, où ce seront surtout des immigrés artisans et ouvriers, venant du monde russo-polonais. Parce que, parmi les Roumains, il y a énormément, en effet, d'étudiants en médecine. Puisqu'ils ne pouvaient pas étudier la médecine ou le droit en Roumanie, eh bien, comme ils parlaient déjà le français, ils venaient s'installer à Paris ou à Tours. Ce qui explique d'ailleurs pourquoi Tours, où à l'heure actuelle il y a une toute petite communauté, Tours était la ville où il y avait le plus d'étudiants juifs roumains en médecine à l'époque, avant 14. Il en est de même pour les russo-polonais. Les russo-polonais, beaucoup ont pu faire des études, mais sont bloqués toujours, soit dans le droit, soit dans la médecine, et en plus, certains sont déjà politisés. Politisés, comme on le disait à l'époque, des socialistes révolutionnaires, et à partir de ce moment-là, ils sont fichés, certains sont pourchassés, et donc, il n'y a qu'une solution, l'exil, soit ils passent par la Suisse, soit par la France. Enfin, il y a une catégorie, bien sûr, qui sont des ouvriers, mais je dirais des ouvriers, eux aussi, politisés, mais qui n'ont qu'un rêve, c'est de rejoindre les États-Unis. Donc la France est une terre est un tremplin. Mais une fois que l'on arrive en France, on n'a plus d'économie. Ce qui fait qu'il faut recommencer à travailler pour en avoir de nouvelles pour aller aux États-Unis. Et à partir de ce moment-là, très souvent, on trouve femme et on reste en France et notamment à Paris. Donc voilà comment est cette population. C'est-à-dire que nous avons affaire à une population déjà intégrée, enfin intégrée intellectuellement, je dis bien. C'est-à-dire qu'ils savent pourquoi ils sont en France, ils connaissent la langue française dans bien des cas, c'est-à-dire que le yiddish est leur langue maternelle, mais ils la délaissent pour parler ou français ou allemand en France. Ils n'ont qu'une seule volonté, c'est comme ils estiment être tranquilles en France, eh bien ils entendent y rester. Et à partir de ce moment-là, on va avoir un amour profond, je dis bien, chez ces juifs-là. Parce que il va se poser le problème en 1914 concernant les étrangers. Est-ce que ce sont des espions allemands? Tout étranger est supposé être un espion, notamment quand on vient d'une frontière qui n'est jamais sûre, celle de l'Empire austro-hongrois, où l'on ne sait pas si la Bessarabie, elle est russe, ou si elle appartient à une partie de la Hongrie ou à une partie de la Roumanie. Donc, ils sont suspects. Mais il n'empêche que tous ces suspects vont, enfin une bonne partie de ces suspects, vont préférer choisir le camp de la France. Pareil pour d'autres éléments, j'entends non pas les Roumains qui eux sont véritablement français de cœur, mais les Russes. Les Russes ont une idée en tête, la révolution. Qu'ils soient juifs ou non juifs, le but est d'abattre l'Empire russe. Naturellement, cet empire russe est l'allié de la France. C'est donc une alliance contre nature. Soutenir la France, c'est soutenir l'empire russe, indirectement. Alors que l'empire allemand a promis
d'abattre l'Empire russe pour édifier une monarchie parlementaire, à la prussienne comme vous voulez, mais en tout cas, où les juifs seraient émancipés. Les juifs russes, donc, sont plus en contradiction. Et pour eux, d'une certaine façon, le mieux, c'est de faire son service, de s'engager volontairement, parce qu'en s'engageant volontairement, la France, qui a su réhabiliter Dreyfus, saura influencer l'Empire russe pour qu'il devienne une démocratie, en tout cas pour qu'il adopte un régime parlementaire à la fin. Donc voilà comment il se lance dans cette guerre. Et cela est clair, parce qu'en plus, ils ont différentes options politiques, les Juifs russes, contrairement aux Juifs de France, qui, eux, ne sont pas du tout politisés, sinon pour leur propre pays. Merci. Donc, que va-t-il se passer pour les sionistes, les russo-sionistes, comme je les appelle? C'est intéressant de militer pour la France, parce que comme elle est l'alliée de l'Angleterre, obligatoirement, et que l'Angleterre est déjà plus ou moins investie en Égypte, et qu'elle combat de fait l'Empire ottoman, il pourra peut-être en résulter des bienfaits. Au pire, si jamais c'est l'Empire allemand qui venait à vaincre la France, ce n'est pas si grave que ça, parce que les sionistes allemands sont très engagés avec la Turquie pour moderniser la Palestine et la Turquie. Donc, quoi qu'il arrive, pour le sionisme, ce serait intéressant. Pour les révolutionnaires, c'est une autre question. Défendre l'Empire russe, c'est défendre un empire autocratique, c'est vrai, mais défendre la France, c'est défendre la Révolution française et Robespierre. Et ce n'est peut-être qu'une étape pour atteindre la grande révolution socialo-marxiste. Voilà comment pensent les révolutionnaires. Ce qui fait que les cas de désertion ou d'insoumission vont être très rares, même chez eux. Globalement, sur un échantillon de 400 russo-polonais, il n'y aura que 60 cas d'insoumission pour des militants révolutionnaires qui avaient été chassés de Russie, ce qui est très peu. Et sur ces 60, finalement, une vingtaine vont rejoindre le Royaume-Uni ou les États-Unis, et les autres retourneront en Russie dès 1916. Donc vous voyez, il n'y a pas eu véritablement de grands cas. Ils vont donc aussi à la guerre, mais là, leur grand étonnement, eh bien, c'est les régiments de marche de la Légion étrangère dans lesquels ils vont être engagés. Alors cela s'explique aussi parce qu'il y a quand même eu des milliers d'Italiens, la fameuse Légion Garibaldi qui va s'engager. On parle quand même d'environ 18 000 Italiens qui s'engagent volontairement pour la France. Il y a environ 2 à 3 000 Espagnols, sans compter les Grecs, sans compter les Arméniens, etc., etc., etc. Donc on va créer des nouveaux régiments, les régiments de marche. Mais les Juifs sont très déçus, les Juifs russes et les Juifs roumains, parce qu'ils s'aperçoivent finalement que, et là il y a une très belle lettre de Boris Lussinsky, qui écrit à sa femme, « Je ne tiens pas à servir dans un régiment de gueux », voilà ce qu'il écrit à sa femme, « Je tiens à être dans un régiment français. » Naturellement, il n'y sera pas, et il fera le régiment de marche classique jusqu'au moment où il y arrivera quelque chose de grave, et on expliquera ça tout à l'heure. Et du coup, les voici dans la Légion étrangère, alors eux aussi, comme le régiment des Waves, vont être engagés dans des combats très durs, notamment la bataille de l'Artois. Bataille de l'Artois, c'est une bataille, en tout cas pour le village de Carency, de Bertonval et de la Targette, c'est un combat qui va durer pendant 5 jours. Dans les régiments de marche, ils sont partis avec 1040 hommes, si mes souvenirs sont bons. Au bout de 4 jours, il n'en revient plus que 280.
ce qui explique que les pertes sont incroyables et que dans ces régiments de marche où il y avait environ 8% de russo-polonais, eh bien les pertes ont été importantes. Rien que pour ces 4 jours, il y a eu environ plus de 350 juifs qui sont tombés au combat. Donc 350 juifs tombés au combat multipliés par 3 concernant les blessés, c'est-à-dire qu'au minimum, il y a eu 3 000 juifs qui ont été mis hors de circuit de cette période-là. Et en effet, quand vous allez du côté d'Arras, du côté de Bertonval et Ex-Muette, etc., on s'aperçoit que les tombes juives sont innombrables et qu'elles proviennent toutes de ces régiments de marche, où se confondaient d'ailleurs des juifs grecs, des juifs roumains, des juifs égyptiens, etc., etc. Donc, et cela explique aussi, par la suite, que Carency, comme Bertonval, vont devenir le lieu de pèlerinage des engagés volontaires juifs de toutes les nationalités. Et cela jusqu'en 1960, date à laquelle les anciens combattants vont commencer à être moins nombreux. Donc, voici le comportement, en tout cas les lieux sur lesquels les anciens combattants, sur lesquels les combattants juifs se sont produits. En même temps, on peut se poser la question, comment ont-ils vécu en tant que juifs? C'est vrai que nous avons affaire, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour une communauté judéo-française, avec une certaine indifférence religieuse, ce qui fait que la cache-route, le respect de la cache-route ou le respect du Shabbat, voire même des fêtes, est quasiment inexistant. Sauf pour une minorité et pour les régiments de Zouaves, en effet, où là, il y a quand même un certain respect, comme je le disais, pour la tradition. Ce qui explique que il va y avoir, dès 1915, fait par le consistoire et puis par des œuvres charitables, l'envoi de colis pour le régiment de Zouaves. Cet envoi de colis a été facilité notamment par les aumôniers israélites, puisque dès fin 1914, le grand rabbinat, par l'intermédiaire de Alfred Lévy, qui est le grand rabbin de France, va mettre au point l'aumônerie israélite qui d'abord va être composée de 17 aumôniers, puis ensuite de 27, puis ensuite de 38 à la fin de la guerre. Et ces aumôniers ont pour fonction principale de recenser ou du moins de voir les combattants israélites qui sont aussi bien au front ou dans les cantonnements et veiller à leurs besoins religieux, spirituels, etc. Et donc, le grand rabbinat s'apercevant qu'il va y avoir énormément de juifs dans les régiments de Zouaves, va s'empresser de déléguer en permanence 2 à 3 aumôniers. C'est-à-dire que autant les aumôniers se promènent un peu partout, sauf pour les régiments de Zouaves et les régiments de marche où se trouvent les russo-polonais. C'est-à-dire qu'on aura généralement un aumônier israélite pour les régiments de marche et 2 aumôniers israélites pour les régiments de Zouaves à temps plein, sans compter qu'il y en aura un autre dans les Dardanelles, puisque là aussi il y a des régiments de Zouaves, bien entendu. À partir de ce moment, donc, eh bien, le consistoire va envoyer pour les Juifs d'Algérie des colis, où là, en effet, ils pourront manger plus ou moins cachère. Qu'est-ce que j'entends par plus ou moins cachère? C'est-à-dire l'envoi de saucissons secs, des gâteaux, etc. Puisque on s'est aperçu que beaucoup d'entre eux ne mangeaient pas déjà la soupe, qui était le quotidien du combattant. Or, dans la soupe, on mettait toujours du vin. Ce qui fait que déjà, il ne leur restait plus que le pain et le café. Et tenir à Verdun pendant de longs mois juste avec du pain et du café, ce n'est pas suffisant. Alors vous allez me dire, il y a la solde pour le combattant. Je vous dirai, oui, mais la solde, généralement,
temps de guerre, nous fûmes énormément, ce qui fait qu'une partie de la solde passait dans les cigarettes et puis à s'acheter du chocolat. Puisque la grande découverte de 14-18 pour le peuple français en général, c'est le chocolat. Le chocolat se démocratise à cause, grâce à la guerre de 14-18. Alors, il y avait peu de choses, en effet, pour que ces combattants tirent. Mais, en même temps, ce sont eux-mêmes, et ça c'est intéressant, c'est que beaucoup de juifs originaires d'Algérie organisent eux-mêmes les offices, soit dans les tranchées même, soit dans les cantonnements. Et c'est ainsi que, par exemple, le rabbin Pruner, qui se trouve dans les Dardanelles, est très choqué que veille de Rosh, enfin premier soir de Rosh Hashanah, finalement, il se balade, enfin il est à la recherche de juifs du côté de Gallipoli, et puis il entend un chant hébraïque a priori, donc il s'approche et il s'est aperçu qu'il y avait une quinzaine de juifs d'Algérie qui étaient en train de commencer à faire les prières pour Rosh Hashanah 1916. 1917, je ne sais plus, ils étaient dans leur coin tranquille, et la ligne turque n'était qu'à une quinzaine de mètres de là. Donc, il y a des actions spontanées ainsi, mais dans l'ensemble, on veille à ce que les combattants aient le nécessaire pour vivre, soit pendant les fêtes, d'où l'importance de la distribution des matzot, de ces fameux parasites, puisque là, on va dire, à moins d'être très déjudaïsé, même ceux qui ne mangent pas kasher ou qui ne font jamais Shabbat ou rarement, on va dire les juifs de Kippour, ils aimaient bien recevoir quand même quelques galettes de la part des aumôniers. Et c'est vrai que il y a deux fêtes qui vont être vécu, en tout cas ressenti ou attendu par les combattants de 14-18, c'est Kippour, mais Kippour, c'est difficile parce que ça ne dure qu'un jour, et très souvent, eh bien, on arrive à se faire remplacer par un camarade pour le cantonnement, etc., etc., c'est-à-dire que certains Israélites ont préféré donner leur permission à un copain pour pouvoir eux-mêmes être libérés le jour de Kippour, de faire un échange ainsi. Vous comprendrez quand même qu'il y a des risques, c'est-à-dire perdre 8 jours de permission pour un jour de Kippour au front, ce n'est pas évident. Mais en tout cas, il y a deux fêtes qui sont attendues par les combattants, comme je le disais. C'est bien sûr Kippour et Pessah, la Pâque, dans la mesure où pour eux, c'est un moyen de se retrouver. Autant le Shabbat, c'est impossible, on va dire. Mais en tout cas, dans des jours aussi importants, surtout quand on est localisé dans des zones où peut-être il y a une synagogue, où peut-être il y a un aumônier, et finalement, il y a une synagogue qui ne va jamais être aussi pleine quotidiennement, je dirais, et cela pendant 4 ans, c'est celle de Verdun. Autant la communauté de verdunoise était en train de décliner gentiment avant 14, puisque la jeunesse allait déjà vers les grandes villes, que ce soit Nancy et Reims ou même Paris, et bien pendant 14, voilà une synagogue qui va fonctionner tous les jours, qui va même organiser des fêtes à rire, et qui le jour du Kippour, et bien elle sera archi-comble, parce que tous les régiments, comme vous le savez, vont passer à Verdun. Je crois que sur 450 régiments que devait comprendre la France en 14-18, je crois qu'il n'y en a que 8 qui n'y sont pas allés, ainsi que quelques régiments de cavalerie. Donc tous les régiments ont fait un tour à Verdun à un moment donné. Et donc, pour eux, c'est un moyen de vivre un moment communautaire. Mais même, là, c'est intéressant aussi, cela va se vérifier dans les Dardanelles.
dans les Dardanelles, comme je vous l'ai dit, il y a pas mal de Juifs d'Algérie, eh bien, il y a cette volonté de recréer ce petit monde religieux. Et à partir de ce moment-là, ils vont prendre contact avec les Juifs grecs. Et il y a une communauté qui va les soutenir énormément, qui est la communauté juive de Salonique, qui, elle, va organiser alors des offices à tour de rôle, parce que là, c'est d'autant plus intéressant que du côté des Alliés, on a des Juifs qui viennent de toutes parts. Donc, je vous exprime un peu ce qu'écrivait Victor Sebag, qui est un Juif de Tunis qui a été naturalisé français, et qui, pour la première fois de sa vie, est très étonné, parce qu'il voit des Juifs indiens, donc des sortes de Pakistanais, on va dire, ou comme des Indiens d'Inde, et qui en même temps sont juifs et qui prient en hébreu et qui prient même mieux que lui en hébreu. Donc il est très étonné de voir ce mélange de juifs canadiens, de juifs anglais, de juifs indiens, de juifs d'Afrique du Sud, de juifs de France, de juifs d'Algérie, et puis quelques juifs de Tunisie qui sont là, tous mélangés avec les Grecs. Donc, vous voyez un peu, et là, il va avoir une réflexion intéressante, c'est que Victor Sebag est un juif qui est laïque, qui est franc-maçon, et qui est complètement déjudaïsé. C'est-à-dire qu'il vient de se marier, et il ne sait pas s'il va faire, par exemple, la circoncision à son fils. Il s'est marié juivement. Mais il ne croit en rien, il est socialiste, socialiste à la française. Et à partir de ce moment-là, il hésite. Et il ne fait plus du tout kippour depuis l'âge de ses 13 ans. Il a décidé de ne plus rien faire. Et en voyant tous ces juifs-là, il est quand même étonné. Comment se fait-il que des juifs de toute catégorie, de tout milieu, de tout pays se retrouvent? Il commence à parler avec l'aumônier. L'aumônier Pruner que j'ai cité tout à l'heure. Et là, Pruner lui dit rien. C'est-à-dire, il s'attendait à avoir une réaction vive de Pruner en lui disant « Tu fais même pas kippour, tu ne fais rien, etc. etc. » Et Pruner, au contraire, lui dit « Venez, venez, ou viens. » Et cela l'éteint parce que là, il a l'impression non plus de vivre une religion, mais d'être inspiré par des liens qu'il partage avec des individus, il ne sait pas encore lesquels. Mais une chose est sûre, c'est que Victor Sebag, qui était athée et qui ensuite deviendra déiste, dirions-nous, va quand même décider de faire circoncire son enfant qui avait 8-9 mois à l'époque, et va décider ensuite de leur donner une éducation juive naturellement. Et on verra le même cas chez Jules Isaac. Jules Isaac, le fameux historien, qui va être d'ailleurs l'un proche, en tout cas l'un des cofondateurs, on va dire, de l'amitié judéo-chrétienne, il est déjà marié, il a deux enfants, et Jules Isaac ne pratique pas du tout le judaïsme, il n'en a rien à faire. Et face à la guerre, face à la mort, il va commencer à discuter lui aussi avec l'aumônier israélite, qui ne va pas le convaincre dans la pratique, mais au moins qui va le convaincre en veillant à donner une morale juive à ses enfants. Alors la morale juive à l'époque, c'est très vague, c'est même indéfinissable, puisqu'il faut être dans ces milieux-là, on va dire, mais disons, il y a une certaine éthique, éthique par rapport au travail, par rapport à la morale, etc., et que l'on rapproche toujours, pardon, des valeurs de la Torah, mais telles que le concevaient les Israélites de l'époque. Il y a donc quelques éléments comme ça qui vont être influencés par les aumôniers. Naturellement, la guerre ne change pas tout chez les hommes. Elle ne change pas tout, c'est-à-dire ceux qui étaient athées en ressortent athées, ceux qui étaient croyants continuent dans la majorité des cas à rester croyants, etc., etc. Il n'y a pas eu de grandes modifications. Mais
le judaïsme a quand même été vécu au même titre que le catholicisme ou le protestantisme ou même l'islam dans les tranchées de façon très libre et sans véritablement antisémitisme. Alors là, j'en viens à quelque chose, en effet, l'antisémitisme, en tout cas au front. Évidemment qu'il y a peut-être eu des cas d'antisémitisme au front, mais c'était, on va dire, de façon personnelle. Un officier ou un combattant qui était antisémite par opinion, on va dire. Donc là-dessus, on ne peut pas véritablement en parler. L'armée fut-elle antisémite? On va dire deux attitudes. L'armée irrégulière, où il y a des cadres formés, bien sûr qu'il y a des antisémites, mais ils ne manifesteront pas. Ce qui fait que les soldats israélites vont connaître une promotion ou pas, selon leurs valeurs, selon leurs mérites. En ce qui concerne les régiments de Zouave, là c'est plus compliqué. Parce qu'en effet, dès qu'ils ont été incorporés en Algérie, dans certaines brigades, il y a des relents d'antisémitisme qui se font jour. Par exemple, les officiers ne se privent pas pour traiter, ça m'a toujours fait rire cette expression, mais pour traiter les Juifs d'Algérie, les pieds nickelés, considérant qu'ils ont les pieds plats. Bon, il y avait quand même pas mal de pieds plats, même chez les Français de métropole ou les Français d'ailleurs. Enfin, c'était quelque chose de classique à l'époque. Et à partir de ce moment-là, on a tendance à les mépriser. C'est-à-dire, il y a même eu un cas où il y a un sous-officier, qui est d'ailleurs d'origine maltaise, qui commence à énoncer le nom des soldats, et puis qui relève qu'il y a plusieurs Ben Simon, Ben Chenoul, Ben Mervier et compagnie. Et à partir de ce moment-là, il décide de les faire sortir du rang et de leur dire « Vous êtes juifs ?» Les autres répondent « Oui, enfin vous êtes israélites ?» Les autres répondent « Oui, bien évidemment. » Et puis il leur donne des corvées à faire pendant que les autres vont faire autre chose. Donc voilà, il y a des petits cas, des manifestations comme ça, mais on s'apercevra que l'antisémitisme, en Algérie en tout cas, sera nettement plus violent ou évident par rapport à la population civile. Ça, c'est intéressant, c'est que, comme pendant l'affaire Dreyfus, enfin, on va dire, on retrouve toujours les mêmes symptômes, hein, 1874, 1880, 1894, 1915, 1916, puis 1920, puis ensuite encore 1924, on attaque toujours la population juive au niveau des civils, en disant que ce sont tous des planqués, ou alors qu'ils profitent de l'argent des Français pour s'enrichir, qu'ils gardent leur or, qu'ils dominent l'or de toute l'Algérie, enfin bref. On en vient toujours aux mêmes idées, et 114-18 aussi, ce sera la même chose. Les bons Français vont se faire tuer, alors tous les Juifs sont restés planqués à Alger, à Oran, à Constantine, vous voulez. Donc voilà comment se manifeste l'antisémitisme. Plus ou moins l'armée, je vous ai donné quelques idées dans le monde civil. Maintenant, ce qui concerne la Légion étrangère, ou du moins le régiment de marche, là, c'est très compliqué. Parce qu'en effet, les sous-officiers sont tous issus de la Légion étrangère. Et ce sont très souvent des Italiens ou des Espagnols, des Maltais, voire des Corses, qui, intellectuellement, n'ont pas les diplômes des Juifs roumains ou des Arméniens et se font un plaisir d'humilier tout ce qui peut être intellectuel. Et donc, dès 1914, dès septembre 1914, ces engagés volontaires, on les traite d'une seule chose. S'ils se sont engagés, ce n'est pas pour la France,
c'est parce qu'ils crevaient de faim dans leur pays, et donc ils sont venus pour la gamelle, comme on disait à l'époque. Naturellement, comme il y a un devoir de soumission, d'obéissance, ces engagés volontaires ne répondent pas. Il y a quand même parmi eux des ingénieurs, il y a, comme je vous l'ai dit, des futurs médecins, voire des médecins, etc., etc. Ils ne répondent pas, ils font leur travail, enfin leur travail. Ils participent à la guerre comme tous les combattants, et comme je vous l'ai expliqué l'autre fois, du 9 au 13 mai 1915, il y a la fameuse bataille de Carency où ils étaient partis à plus de 4000 bonhommes et ils reviennent à 289 bonhommes. La bataille de Carency s'achève le 13 mai. La Légion étrangère a donc perdu un nombre considérable d'individus, les régiments de marche aussi. Et le 16, on repart à l'offensive pour Arras. Et là, ces régiments continuent. Naturellement, c'est un échec pour eux, ils se replient, et là, ils sont mis quand même au repos pendant 15 jours, c'est-à-dire ils sont mis au repos du 5 juin au 21 juin, au 20 juin, pardon, 1915. Ils ont quand même droit à 15 jours de repos, en sachant que pendant tout mai et une partie d'avril, c'est-à-dire pendant un mois et demi, ils ont été sans cesse dans l'offensive. Et dans les offensives où les villages n'existent plus d'ailleurs aujourd'hui. Ils n'ont donc pas dormi, c'est-à-dire que j'avais fait un calcul, ils dorment en moyenne, en sachant qu'il y a les bombardements fréquents, ils dorment en moyenne 3 à 4 heures par nuit. Et ils mangent une fois tous les deux jours. Donc vous voyez qu'au bout d'un mois, un mois et demi, il faut quand même une certaine endurance. Et là, ils sont au cantonnement, le 20 juin, toujours dans le Pas-de-Calais, et il y a des sous-officiers, notamment corses, qui sont complètement sous, et qui commencent à injurier les Juifs et les Arméniens, principalement les Juifs et les Arméniens, en les traitant toujours de la même chose, sale loupin, bande de porc, vous êtes venus pour la gamelle, enfin, bref. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Des légionnaires exacerbés, je dirais, réagissent. Et une rixe commence. Une rixe commence, donc tout le monde se bat dans le cantonnement. Naturellement, très vite, les soldats sont arrêtés, c'est-à-dire qu'il y a quand même 15 légionnaires d'arrêtés. Sur ces 15 légionnaires d'arrêtés, il y a 9 juifs. Il doit y avoir 3 ou 4 arméniens et puis 3 russes. Et puis ils vont être traduits au tribunal de guerre pour rébellion. Obligatoirement, il y avait la possibilité de demander un avocat. Mais qu'ont fait les responsables du régiment, du régiment de marche, ils ont fait en sorte que ça aille très vite. Donc, ils ont été arrêtés le 20 à 21h pour être précis, et le tribunal ouvre le matin à 9h. Donc, quand je dis tribunal, c'est quoi? C'est une chaise de banc, et puis on est en plein air, et puis on va juger les gars. Donc, ils passent tous et on ne leur donne pas la parole. Qui va parler finalement, les officiers, en disant qu'ils ont été agressés, etc., etc. Et à partir de ce moment-là, eh bien c'est simple, on décide que sur les 15 personnes arrêtées, 9 vont être condamnées à mort, 8 vont être condamnées à mort. Parmi ces 8, donc, il y a 3 juifs russes. Je les nomme, ne fût-ce qu'on retienne un peu leur mémoire. Il y a Elfrand, Shapira et Dickman. L'un était certes fourreur, mais l'autre était quand même ingénieur, et l'autre avait fait des études de droit. Et ils n'ont pas eu l'occasion de se défendre,
Avec eux, il y a ensuite de fusiller deux Russes et trois Arméniens. Donc, voilà ce qui va se passer ce jour-là, c'est-à-dire une rébellion, une mutinerie, comme on le pourrait dire, et qui se solde malheureusement par la condamnation à mort de personnes qui avaient été victimes du racisme, de l'antisémitisme et de la beuverie de leurs supérieurs. Ce qui est à noter quand même, c'est que l'un d'entre eux, notamment Dickmann refuse qu'on lui bande les yeux pendant qu'on va le fusiller, et il demande à l'officier de service qu'on lui ouvre la chemise. Il va crier très fort qu'il avait combattu les balles allemandes, qu'il était toujours prêt à le faire, mais que son corps pouvait recevoir des balles françaises. Et donc voilà comment Max Dickmann, né à Saint-Pétersbourg, meurt à cette époque. Donc voilà, l'antisémitisme, il est présent aussi dans ces régions où on considère que les étrangers, bien, ils ne font que leur devoir et viennent ici pour profiter de leur pays, mais attention, du pays. Mais je tiens quand même à préciser que ce sont des cadres de la Légion, donc des gens qui n'ont ni aucune pédagogie, ni aucune formation pour diriger des êtres classiques. Maintenant, tout à l'heure, j'avais parlé aussi de guerre totale. Par guerre totale, donc, on entend une guerre qui va mobiliser tous les esprits. Mobiliser tous les esprits, c'est-à-dire aussi bien les civils, les femmes, les enfants, l'éducation, la publicité, l'économie, tout ce que vous voulez. Et là, comme n'importe quel citoyen, les Juifs qui sont restés à l'arrière vont aussi connaître cette guerre totale. Ils vont la connaître, je vais vous donner quelques exemples, ne fût-ce qu'à travers les discours des rabbins. On n'a jamais eu discours plus patriote et plus engagé, je dirais, que ceux des rabbins des années 14-18, ou comble de l'ironie, parce que une fois de plus, aujourd'hui, ça ferait peut-être plaisir à Marine Le Pen, mais plusieurs rabbins vont comparer la femme juive aux valeurs de Jeanne d'Arc, parce qu'elle doit faire preuve de courage, elle doit être valeureuse, et elle milite pour un idéal. En soutenant son mari aura plus de courage pour bouter l'ennemi de France. Donc elle est comme une Jeanne d'Arc du foyer. Ce qui fait que, pour les rabbins, la femme juive, elle incarne à la fois les matriarches, Sarah, Rivka, Lia, mais elle incarne aussi d'autres valeurs. Et comme on est en France, bien sûr, ce sera Jeanne d'Arc. Dans le même temps, qu'en est-il de l'Allemagne? Parce qu'on se pose toujours la question, est-ce que ça a été une guerre fratricide? Bien sûr que non. Elle n'est pas plus fratricide que le français chrétien qui va tirer sur l'allemand chrétien. C'est-à-dire que les juifs ayant défini clairement leur nationalité, il n'y a plus de problème d'aspect fratricide. Et d'ailleurs, le grand rabbin Maurice Liber va le dire très tôt, dès janvier 1915, il va dire que, après tout, des catholiques protestants français combattent des catholiques protestants allemands. Pourquoi en serait-il autrement des Israélites? Alors vous allez me dire, oui, mais il y a quand même des Alsaciens qui combattent dans l'armée allemande, et il y a des membres de leur famille qui sont du côté français. Là, le grand rabbin Maurice Liber vous répondrait, c'est une tragédie pour toutes les familles qui ont des enfants d'un côté et de l'autre. Donc le problème est résolu, c'est-à-dire que quoi qu'il fasse, on est là pour se battre pour la France
et peu importe. Et d'ailleurs, ce même grand Rama ira même plus loin en écrivant dans la presse que tout Allemand, tout Boche, chrétien ou juif, nous est odieux. Donc, c'est clair, désormais, le judaïsme français, qui avait d'ailleurs rompu avec le judaïsme allemand dès 1914, enfin dès juillet 1914, le grand rabbinat ne correspondait plus du tout avec le grand rabbinat allemand, eh bien, désormais, le problème est résolu. Les Juifs de France veilleront à effectuer cette guerre le mieux possible, et en tout cas au service de la patrie. Au service de la patrie, parce que justement, la France représente un idéal. Et ce n'est pas un hasard quand quelqu'un m'a montré tout à l'heure le petit livre de prière, la Tefila du soldat, donc la prière du soldat, qui est édité en 1915 par le consistoire et destiné en majeure partie aux juifs des régiments zouaves, justement, pour qu'ils aient un support pour prier, eh bien, ce n'est pas un hasard si on glorifie la France. Et si même dans la prière du combattant, on met tout en valeur pour la République, la France, etc. Parce qu'il y a un amour fondamental. Et cette France, elle est là, justement, pour émanciper le monde et pour apporter la civilisation comme elle l'avait déjà fait au début de la Troisième République. Donc au terme de cette conclusion, je ne sais pas quelle heure il est d'ailleurs, qu'est-ce que l'on pourrait dire sur la Grande Guerre? C'est que la Grande Guerre, elle a marqué durablement, comme je vous le disais, la France des années 20 et 30, enfin jusqu'en 40, bien sûr. Elle l'a marqué déjà par le nombre de ses morts. 5000 morts, plus ou moins sur 30 000 mobilisés, en sachant que c'était la première fois dans l'histoire du judaïsme de France que l'on allait participer massivement, c'est donc quelque chose d'essentiel. D'autant plus essentiel que de même que cette guerre a marqué la mémoire collective des Français, elle allait marquer aussi celle des Juifs. Deuxième point que l'on pourrait dire, c'est que tout à l'heure, je vous ai dit, elle a encouragé ou consacré davantage l'émancipation des Juifs d'Algérie. Oui. Elle l'a confirmé davantage ou encouragé dans la mesure où maintenant les Juifs d'Algérie se sentent fondamentalement les égaux des Français de souche. Et quand je dis les égaux des Français de souche, ça veut dire que plus jamais le Maltais ou l'Espagnol ou l'Italien, qui avaient été naturalisés, eux, pourtant bien plus tard que les Juifs d'Algérie, puisque je rappelle, les Juifs d'Algérie sont quand même naturalisés en octobre 1870, 90% d'entre eux, et il y a un décret de 1886 seulement, qui autorise les étrangers, maltais, espagnols, italiens, etc., etc., à obtenir la nationalité française. Pour quelle raison? C'est très simple. C'est qu'il vaut mieux qu'ils soient français, puisque le but c'est de coloniser l'Algérie et de considérer qu'il y ait le maximum une influence européenne, en sachant quand même qu'il y a seulement, veille de 1914, il n'y a seulement, je dirais, que 720 000 Européens, juifs compris dedans, donc 50 000, comme je le disais, par rapport à 4 700 000 musulmans. Donc il faut véritablement, puisque l'Algérie est devenue une terre française avec ses départements, il faut l'européaniser au plus vite. Or là, avec la guerre de 14-18, les Juifs d'Algérie se sentent véritablement intégrés, autorisés même à se dire français, parce que ce n'est pas un décret uniquement là qui les a rendus français. Ce sont leurs morts, ce sont leurs sacrifices et leur expérience. Et cela est très clair. Cela est très clair parce que dès 1918, il y a le comité d'études sociales d'Alger
qui est dirigé par je ne sais plus si c'est Moïse ou Léon Adolker, mais il y a aussi Benjamin il y a aussi Moïse Torah, et il y a aussi l'un des fils du colonel Mayer qui est dedans, qui vont mettre au point un système de défense pour les Juifs d'Alger et d'Algérie par voie de conséquence. Pourquoi ? Parce que dès 1918, eh bien, une fois de plus, ce que l'on avait longtemps ignoré ou ce que les Juifs d'Algérie n'avaient pas osé revendiquer, c'était l'ouverture des facultés de médecine. Ah voilà, oui, Henri Abouliker. C'est le fameux Henri Abouliker avec Charles. En ce qui concerne donc les facultés, notamment de médecine d'Alger, il y avait un quota. Et ce quota fixait uniquement à 2% le nombre d'étudiants juifs, alors que nous sommes quand même en pleine République, je précise. Mais chaque faculté, avec son recteur, avait la libre disposition d'organiser sa faculté avec les quotas, etc. Et là, que vont faire ces jeunes hommes qui ont tous fait la guerre de 14-18, ne l'oublions pas. Ils vont militer pour qu'il y ait libre accès à la fois aux étudiants juifs, mais aussi aux étudiants musulmans, pour qu'ils accèdent aux facultés de droit, aux facultés de médecine. Ils auront gain de cause. 4 ans plus tard, après un long débat au Conseil d'État, justement, pour que les facultés soient librement ouvertes aux minorités, même s'il y a des minorités en Algérie à cette époque-là, en fin de compte. L'autre aspect, c'est que politiquement, nous avons une communauté qui est en train de naître aussi, avec une conscience soit de droite, soit de gauche. C'est-à-dire que jusqu'à présent, ils avaient été les acteurs de l'histoire, enfin les acteurs, pardon, les spectateurs de l'histoire. Après 18, en 14-18, ils ont appris leur rôle, je dirais, et ensuite ils deviennent véritablement acteurs, ils vont s'investir dans les conseils municipaux, pour les plus diplômés bien évidemment, ils vont s'investir dans la vie locale, politique, et ce qui est assez étonnant, c'est que l'on verra que beaucoup vont militer au sein de la Ligue des droits de l'homme, d'autres vont militer dans la Ligue internationale contre l'antisémitisme, qui avait été fondée en 1923, et certains, voire ceux que j'ai pu remarquer, rejoignent souvent la SFIO de Léon Blum. Et là, on a véritablement une carte politique qui se dessine chez les Juifs d'Algérie, alors qu'auparavant, elle n'existait pas. Quatrième point, je dirais, mais ça c'est valable aussi en métropole, c'est que les mariages mixtes commencent à se développer. C'est normal, je dirais, puisque quand on est blessé, on est une marraine de guerre, et parfois elle peut être très séduisante. De même, beaucoup de jeunes sont partis célibataires. Et pendant 4 ans de guerre, même s'il n'y a pas beaucoup de permissions, les rencontres sont quand même permises. Donc on voit véritablement un phénomène nouveau dans toutes ces communautés qui n'existaient, enfin dans la communauté d'Afrique du Nord, je dirais, particulièrement d'Algérie, que nous ne connaissions pas auparavant. En ce qui concerne la France, où les Juifs de vieille souche, eh bien là, c'est certain, on est passé à un nouveau stade de l'émancipation. Cette guerre les a agrégés à la France, à tous les niveaux. On n'a plus rien à démontrer. Ils estiment aussi qu'ils n'ont plus rien à démontrer aux Français. Ils ont souffert comme eux, et ils ont partagé les joies, ils ont partagé la victoire, les deuils, etc. Et ce n'est pas un hasard, et c'est ça qui est terrible, quand on lit
l'un des sermons du grand rabbin Jacques-Henri Dreyfus, juste après la victoire, je crois que c'est le 29 novembre 1918, dans la grande synagogue de la victoire à Paris, il dit ceci: nous avons mérité, nous, nos fils, nos petits-fils, nos arrière-petits-fils et toutes nos générations à devenir français, et cela à jamais. Et donc, en effet, voilà comment se termine l'un des sermons de Jacques-Henri Dreyfus, grand rabbin de Paris. Ceci, naturellement, c'est l'enthousiasme. Mais de même que j'ai parlé, par exemple, d'une accélération de l'assimilation ou de l'émancipation chez les Juifs d'Afrique du Nord, on peut évoquer aussi la même chose ici, c'est-à-dire que l'identité française ou l'identité israélite sont de plus en plus confondues. Et cela aura des conséquences, notamment par une malvoyance ou par un aveuglement face à la montée des périls. Parce qu'on se berce d'illusions et l'on est convaincu qu'en ayant vécu la Grande Guerre, en l'ayant faite, eh bien on est protégé. Et on est protégé, les premiers peut-être qui en vont en faire les frais sont peut-être les Juifs d'Algérie. Parce qu'en 1934, il y a l'affaire de Constantine, il est vrai. Il y a aussi un nationalisme grimpant en Algérie, qui est peut-être plus violent qu'en France déjà. Parce que, je m'explique, il y a eu le mouvement des Croix de Feu, qui est un mouvement nationaliste, certes, mais républicain. Et voilà où est la différence. Il n'est pas antisémite officiellement en métropole, mais il est antisémite en Algérie. Voilà où est le problème. C'est-à-dire que, notamment à Constantine, mais aussi à Oran, moi à Alger, il y avait beaucoup d'anciens combattants juifs qui étaient membres des Croix de Feu. Donc quelqu'un qui vous dira peut-être quelque chose, qui est le grand rabbin de Constantine, si les souvenirs sont bons, le grand rabbin Maurice Eisenbeth, qui était membre des Croix de Feu lui aussi, et qui se voit prier par le grand chef de la section du département de Constantine, ben cette fois-ci, qu'en 1934, au mois d'août, il vaut mieux pas que les Juifs soient présents. Et là, en effet, ce sera une des premières claques pour ces anciens combattants qui estimaient qu'en étant français déjà, eh bien, ils pouvaient l'être aussi encore plus politiquement et appartenir à une frange de la droite républicaine dure, je dirais. Eh bien, voilà que l'on dit très discrètement aux Juifs de sortir des rangs. Chose que feront malheureusement les Juifs de cette section Croix de Feu, en sachant, si mes souvenirs sont bons, qu'il y avait à Constantine, d'après ce que j'ai lu, 78 Juifs Croix de Feu, ce qui est quand même énorme pour une petite section politique comme ça. Donc, ça c'est la première chose. La deuxième chose, bien sûr, ça va être 1936, on arrive quand même aux élections législatives, et ces élections législatives sont violentes, quoi qu'on en dise. On a oublié que à Oran, il y a un juif qui se fait abattre par des nationalistes en 1936. Et par un nationaliste qui n'est pas cette tendance, qui appartient à celle du Rassemblement National Populaire, qui est une tendance fascisante, je dirais, influencée par le fascisme mussolinien. Et donc, je vous explique sommairement, ce mouvement-là était en train de coller des affiches à Oran. Naturellement, il y a quelques juifs qui se sont arrêtés et qui ont commencé à vouloir déchirer les affiches. Et puis, l'un des militants sort son revolver et tire à bout portant. Et je crois que c'est un dénommé Ben Hamou qui se fait tuer.
histoire. Cette histoire est passée quasiment inaperçue. L'auteur n'a eu que 2 années de prison, mais en est sorti au bout d'une année. Alors cet auteur-là, on va le retrouver plus tard. Bon, ça c'est pour la petite partie de l'histoire. Il s'agit d'Henri Coston. Henri Coston qui va être l'un des conseillers de Darquier de Pellepoix, le futur commissaire général des questions juives, en remplacement de Xavier Jallard en 1942. Et ensuite, Henri Coston sera l'un des plus grands publicistes et littérateurs de la presse antisémite jusqu'aux années 2010, puisqu'il est mort en 2008, je crois. Il pourra ainsi diffuser toute sa bonne littérature à l'ensemble de la population très discrète, d'une population très discrète. Donc voilà, on a déjà des prémices qui apparaissent, mais fort de leur légalisme, fort de leur expérience, les Juifs ne s'inquiètent pas véritablement. Il en est de même donc en métropole. En métropole, même, je dirais, on est un peu gêné que le Front populaire ait gagné. Chez les Israélites bien-pensants, ça fait un peu désordre. Il est bon que les Juifs soient discrets. Et donc, un Juif au pouvoir et de surcroît de gauche, ça risque de réveiller l'antisémitisme un peu plus fort. Voilà donc comment on évolue. Mais on se réconforte toujours. On se réconforte parce que en 1938, il y a un grand événement. Le grand événement, c'est qu'on va inaugurer devant le mémorial de Verdun, on va inaugurer le monument de Douaumont, qui sera dédié finalement aux milliers d'engagés volontaires juifs et d'Algérie et étrangers qui ont participé à la guerre. Et là, on s'attend à quelque chose d'extraordinaire en juin 1938. Seulement, on oublie 2 choses. C'est que c'est un événement qui va être local et non pas national. Ce qui traduit déjà une anomalie, je dirais. Parce que, logiquement, la commune de Verdun, elle a été depuis 1925-26 consacrée lieu du souvenir, et donc on ne bâtit pas un bâtiment comme ça. On ne fait pas de n'importe quoi dans cette zone-là, on dirait. Or là, on a accepté. Mais il n'y aura pas l'intervention, je dirais, d'autorité politique très importante, sinon le ministre des Pensions. Donc on peut s'interroger comment se fait-il qu'il y ait eu un léger silence de la part du gouvernement français par rapport à l'inauguration de Douaumont. Le monument existe toujours d'ailleurs. Le deuxième point, c'est que ce n'est pas l'État qui a décidé d'ériger un tel monument. Ce sont les Juifs de Lorraine qui ont pris conscience que l'antisémitisme était en train, lui aussi, de s'abreuver à leur territoire petit à petit, d'autant plus qu'en Alsace déjà, l'Alsace qui est quand même redevenue française, eh bien il y a des mouvements pro-nazis qui se mettent déjà en place, notamment à Mulhouse. Ce qui fait qu'il y a déjà des signes d'inquiétude. Mais, avec ce monument-là, on est convaincu que la France sera toujours là, éternelle, et que finalement ce sont des moments passagers. C'est un phénomène, non pas de mode, quand même pas, mais disons que l'antisémitisme, pour l'instant, il est là. Mais c'est la faute à Hitler, et c'est la faute de l'Outre-Rhin, où quelques Français cervelés se laissent influencer. Voilà un peu, pour résumer très schématiquement, leur pensée. Et petit à petit, on va lentement glisser vers le terrain, non pas de l'inconscience, parce qu'ils prennent conscience des dangers des totalitarismes et du nazisme, mais il y a cette fidélité à la France, il y a cette reconnaissance, il y a cette croyance aussi, c'est plus qu'une fidélité, c'est qu'il y a une véritable croyance en la France qui va faire qu'ils vont croire en 1939 que l'on peut encore vaincre Hitler. Mais en 1940,
Là, ce sera l'échec, la défaite, mais ils auraient pu s'en accommoder. Mais, avec le statut des Juifs, statut d'octobre, qui est multiplié par deux, je dirais, puisqu'il touche d'abord les Juifs d'Algérie, et ensuite il touche les Juifs de France. Eh bien là, il n'y a plus de possibilité, c'est-à-dire il aurait vraiment fallu être très naïf pour croire que des anciens combattants pourraient bénéficier de quelques dérogations. Car en effet, si mes souvenirs sont bons une fois de plus, je crois qu'il n'y a eu que 36 cas de dérogation, ce qui est très peu. Ce qui est très peu parce qu'en plus, jamais les types d'anciens combattants ont été pris véritablement n'ont jamais été pris en conséquence et qu'en plus, on exigeait autre chose pour qu'il y ait une dérogation. Avoir rendu des services exceptionnels à l'État. Mourir pour la France, ce n'est pas exceptionnel. Donc on pourrait dire ça. Et puis il fallait quand même justifier de 4 générations. Donc, obligatoirement, certains ne pouvaient pas prétendre à 4 générations. 4 générations, ça remontait quand même à la fin du XVIIIe siècle. Ça remontait au début du XIXe siècle. Donc on voit véritablement que les choses étaient très difficiles. Mais, et là, une fois de plus, c'est intéressant, et voilà pourquoi cette fameuse Seconde Guerre mondiale va clore et ensevelir, je dirais, par la suite, la Première Guerre mondiale, ses 5000 morts, par voie de conséquence, c'est parce que l'espoir va renaître chez les Juifs. Ce n'est pas un hasard si dès 1941, dès 1942, non seulement des Juifs entrent dans la résistance intérieure, mais ça, je dirais, pourquoi pas, mais décident de rejoindre les troupes de Gaulle. Ce n'est pas évident, quand même, de fuir, que ce soit Mendès France, que ce soit Dreyfus Schmidt et bien d'autres, d'essayer de quitter leur prison, de rejoindre l'Espagne, pour rejoindre l'Angleterre ou pour rejoindre le Maroc, afin de rejoindre les forces françaises libres. De même, la pointe, puisque là on peut parler de la flamme de la résistance, mais on pourrait parler aussi de la flamme de l'espoir chez les Juifs, c'est qu'elle va renaître dès que Giraud, puis de Gaulle, arrive en Afrique du Nord, même si Giraud refuse au départ que les Israélites ou les Juifs soient intégrés aux troupes, et même si de Gaulle devra attendre, enfin il lui faudra 6 mois pour reconnaître qu'on peut bien prendre les Juifs dans les forces françaises libres, il n'empêche qu'ils seront des milliers, et sous des faux noms, justement, à servir une nouvelle fois la France. Donc on voit bien qu'ensuite il y a un autre relais, c'est la Seconde Guerre mondiale. Parce que la Seconde Guerre mondiale a davantage marqué les esprits, parce qu'elle a eu lieu partout cette fois-ci. L'autre, elle était déjà mondiale, on la localise encore. Là, l'Afrique du Nord est touchée. L'ensemble de toute l'Afrique, Libye, Égypte, etc., est aussi touchée. Le Pacifique, etc. Donc, on a une autre dimension. On a une autre dimension aussi parce que si on peut estimer que pendant la Première Guerre mondiale, les Juifs l'ont fait en tant que citoyens libres et je dirais d'une certaine façon patriotes, la Seconde Guerre mondiale, ils l'ont vécu quand même autrement. Il y a eu rien, je dirais, même si je manque de respect aux combattants qui sont morts en 39-40, mais la drôle de guerre n'a pas marqué les esprits, sinon la honte, je dirais. Après, il y a eu la période de Vichy. Donc là, c'est non seulement la honte, mais où le juif devient victime, n'est plus acteur véritablement, sinon dans un rôle de désespoir et tragique.
Et enfin, il y a cette période 43-45 où là, il a l'impression de revivre l'histoire, mais avec des plaies, des traumatismes dont il ne se remettra pas encore. Et voilà pourquoi cette Première Guerre mondiale que nous commémorons aujourd'hui est essentielle, parce qu'elle forge pourtant l'identité israélite et elle forge le juif de 1940, qui sont inséparables, puisque à une génération près, ce sont les mêmes. Ils avaient les mêmes objectifs d'intégration, plus ou moins, et de citoyenneté. Donc voilà pourquoi cette guerre est essentielle, car non seulement elle parachève, je dirais, et elle est peut-être l'âge d'or de ce que l'on appellerait l'émancipation qui était attendue depuis le XVIIIe siècle. Je vous remercie encore.